12 workers. This is the formula that several regions in Haiti are using to mobilize the community and achieve real gains in this sector. In association with Brazil, Cuba, and Haiti, the Community Health Worker Program, coordinated by the Pan American Health Organization, transforms the information in its greatest online to prevent diseases that affect a big part of the Haitian population. On l'a encouragé d'aller à l'hôpital. Elle a fait toutes ses consultations prénatales, sonographie, etc. Et puis, au cours du travail pour l'accouchement, elle s'en va à l'hôpital Foufort-de-Pau et puis on l'a accouchée à Foufort-de-Pau. J'étais là hier, j'ai vérifié la carte de la vaccination. Elle a rendez-vous. Combien de fois la main. Elle va chercher la carte de la vaccination. Ce bébé que vous venez de voir là, alors la mère, c'est ma patiente depuis la grossesse, depuis même avant la grossesse. Je parlais de la mère avant la grossesse, de la planning familiale, des IST, des MST. Maintenant, elle devient enceinte. Pendant la grossesse, on lui a conseillé d'aller faire des consultations prénatales. Elle a suivi toutes ses consultations prénatales. Et puis vers la troisième trimestre de grossesse, disons à 9 mois, elle a ressenti des douleurs, des migraines, des douleurs de la colonne vertébrale. Alors, moi, en tant qu'agent de santé, je vois que c'est un signe d'éclampsie. Je l'ai envoyé à l'hôpital, puis c'est ça. Le médecin a dit vraiment c'est un signe d'éclampsie. Each community worker in the program takes care of about 1,000 people. Daily, they need to visit 10 families to accomplish this goal. The director of the center reminds that with the agents, it's possible to prevent many diseases. Es un programa que empezó hace 3 años. Un programa que ha dado mucho resultado satisfactorio para la población de Carrefour. Cuando empezamos, naturalmente, empezamos con muchas dificultades. Primero, la población no tenía esa costumbre de recibir realmente atención, una atención de calidad, pero una atención al principio que fue completamente gratuita. These were lessons learned painfully after the dramatic cholera outbreak that the country experienced in 2010, which caused more than 700,000 suspected cases and more than 8,000 deaths. In 2010, according to UNICEF, Haiti had more cases of the disease than the entire African continent. Last year, according to the UN, there were more than 20,000 cases and 200 deaths. Today, cholera cases are decreasing and treatment centers started to close across the country. Those that remain open receive few patients. In the case of Haiti, there is no potable water accessible to the population in general. There is no sanitation facility accessible to everybody. And so that is the reason why the risk of cholera in Haiti is much higher than anywhere else. So what can we do? Well, really, we have to fight the disease from the medical side. This means treating patients, but it also means that we have to make the most important weapon is to provide hygiene and sanitation to the population. As the UN, we are providing water, especially, you know, UNICEF is quite instrumental in that. We are providing vaccination. That's one of the things that PAHO has done with the support of UNICEF and definitely with the Ministry of Health. We are providing medical support. That's what PAHO has been doing, you know, with other colleagues of CDC and other institutions. So then a series of actions have taken place, and in all those areas, NGOs have been very instrumental. Les médecins en Haïti, donc on savait c'était quoi le choléra, mais théoriquement. Mais par contre, de façon pratique, on ne savait pas gérer les cas de choléra. Donc grâce à nos partenaires, donc on est arrivé qui nous a inculqué des connaissances. Donc en 2012, plus ou moins, les Haïtiens médecins commençaient à attaquer exactement la gestion des cas de choléra. On doit rester vigilant parce que le vibrio choléré est là. Donc il faut toujours des actions communautaires, de la prévention, promotion à l'hygiène, de la surveillance épidémiologique. Il faut quand même mettre en place des infrastructures sanitaires en eau potable et
question de donner à la population des messages clés aussi pour se comporter, savoir se comporter dans, face à des maladies diarrhéiques. Non seulement le choléra, mais il y a aussi des diarrhées, dysenterie, il y a des parasites intestinales. Awareness campaigns and prevention measures in the community to avoid further infections are carried out every time a new outbreak of the disease is detected. Le problème est là-bas, il n'y a pas de l'eau. C'est une zone très 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 vulnérable. Il n'y a pas de l'eau, et il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de latrine, les gens se défendent à l'air libre. C'est pire. Mais pour la propagation du virus choléra, c'est vraiment favorable. S'il n'y a pas d'eau, de se laver les mains. On va prêcher aux gens de laver les mains, alors il n'y a pas d'eau. Avec quoi il va se laver les mains? Brazil brought other important contributions to the sector. In addition to funding the Community Health Worker Program, the country, along with Cuba, enabled the construction of free hospitals and helped preventing diseases such as rubella and measles. The challenge for the Haitian health system goes beyond prevention and treatment. Without adequate sanitation and drinking water infrastructure, the population is more vulnerable to diseases. Brazilian troops in Haiti, UN agencies, and the UN mission in the country are working with the government to improve the access to this service. As an example of this initiative, the financing of a septic tank and adequate restrooms in a cholera treatment center prevented further infections among patients, relatives, and medical staff within the facility. Le support de la MINUSTAH a nous aidé à avoir un meilleur système de gestion des eaux usées qui est primordial pour disons, l'hygiène sanitaire générale du site, parce que sur le site nous traitons également des patients avec choléra mais également des patients avec d'autres pathologies. Nous avions pratiquement besoin de curer les fosses que nous avions, quelques autres fosses que nous avons. Pour curer les fosses, ce qui nous fait une économie d'environ 60 000 $ que nous pouvons certainement reverser au bénéfice des patients atteints. Advances were also reached in 3 of the 8 Millennium Development Goals, as in reducing the incidence of AIDS and other diseases and diminishing child and maternal mortality. In Haiti, almost 2/3 of women deliver without any specialized aid. Built by the UN Office for Project Services and funded by the United Nations Population Fund, this obstetric and neonatal service center offers prenatal care and free deliveries, as well as guidance on sexually transmitted diseases and family planning. Ici, c'est Sonim de Petit Ascazo. C'est une maternité. Ici, ce qu'on fait, on reçoit les femmes depuis en CPN, c'est la consultation prénatale. On les reçoit en consultation prénatale, on prend leurs signes vitaux, on fait des séances d'éducation et de groupe avec les femmes, et puis on commence la consultation proprement dite. Chaque mois, on reçoit 600 femmes environ, et nos accouchements, c'est autour de 100 à 130 accouchements par mois. Jusqu'à présent, on travaille d'arrache-pied, on travaille vraiment dur pour qu'on n'ait pas de décès maternel. Et jusqu'à présent, Dieu merci, on n'a pas enregistré de décès maternel au niveau de cette maternité. Building capacity within the country is the largest commitment of the government to create jobs and strengthen the health sector. In partnership with the UNFPA, a program helps Haitian women to receive free training as midwives to save lives. One of the projects that UNFPA supported after the earthquake, and which is really has given a lot of help and to the country, was the funding of the reconstruction of the National Institute of Midwifery Training. As you may know, after the earthquake, the building of the what we call the Col de Sage-Femme had been completely destroyed and collapsed, and we have rebuilt the school to train midwives and that can support the maternal health in the country. And it is not that we have just
built the school and gave one-time support, we are still ongoing with the in close collaboration with the school and accompany them through our annual work plans, funding them, but also make sure that training is provided. And right now we have more than 120 midwives in training that will eventually become fully trained and qualified. Actuellement, on a les deux filières, c'est filière 18 mois où l'on a recruté les infirmières et filière 36 mois où l'on a recruté les bachelières après le bac à l'OEA deuxième partie. Mais pour arriver à tout ça, c'est grâce au support de UNFPA. Et comme vous pouvez le constater après la visite, donc tout ce qu'on a comme matériel, donc la construction, donc il y a des tags de UNFPA dessus. Et ordinairement, en début d'année, on a signé un plan de travail et il y a différentes activités. Moi-même, j'ai choisi ce programme parce que j'aime la maternité et je trouve que la vie, c'est quelque chose de beau. Donc, pouvoir aider une femme à mettre au monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je veux y participer. Ce programme va aider les femmes à mettre au monde dans de meilleures conditions, va aider à diminuer le taux de mortalité et de morbidité maternelle et néonatale. Pour Haïti, jusqu'à présent, on a une partie de la population qui accouche chez elle. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que tout le monde ait des soins adéquats pour mettre au monde pour accoucher. Oh, oh, oh. Vibes. Oh, oh. C'est seulement à tête, nous gagnons rêve pour casser nous. À tête ensemble, n'arrivez faire. Chaque jour, un pile parole à parler, rien pas jamais réglé. À un pile belle promesse qui pas jamais réalisé. Fois ça, décidé, pour ne pas rêver dans le passé. N'absis pas de critiquer, travail pour casser une progresser.